Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, on peut m'appeler Tribal, et bienvenue dans l'épisode 4 sur Assassin's Creed Origins. Alors si je chuchote, c'est qu'il y a une raison. Oui, enfin bon, bref. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve dans la grotte de Mélissani. Parce qu'on avait une quête à faire, et on devait, de mémoire, aller buter. Dis pire que c'est. Ils sont là-bas. Pour trouver et acquérir la lance pour une nana, une prêtresse de mémoire. Et donc, je m'étais. Je dois rester caché. C'est des femmes soldats, des Amazones. T'as cru que tu pouvais te cacher? Ha! C'est pas du tout ce que j'espérais. Mais non! Bon, c'est bon, mesdames? Vous avez fini de discuter? Mais je vais faire comment pour les Mais monte. Merci. Oui mesdames. Mais Nice. Je pensais Alors madame, on tient pas debout? Vache, vous avez vu où est-ce qu'elle lui a mis son épée? Oh, comment elle l'a jeté comme une grosse merde! Sac de sable. Oh! Putain, c'est les faiseurs d'anges, quoi, qui faisaient ça, quoi, à l'époque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Google est votre ami, hein. Bon, on va pas ramasser non plus toutes les caillasses qu'il y a à côté. S'il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Arc orné et javelot céphale. Ok, donc on peut voir qu'il y a un truc là-haut. Et c'est tout? Il n'y avait que deux pauvres soldats. Ah. Bonjour. Ah, ça c'est un homme. Oh! Oh oh! Désolé madame! Ah bah ça va, elle le vit bien. D'accord.
Nice. Je voulais éteindre la torche. Enfin, je voulais récupérer la torche de toute manière, donc. Ah, d'accord, donc il y avait plusieurs moyens de passer. Okidoki. Genre, c'est pas voyant. Mais c'était juste à côté! Bonjour. Cassandra, tu es revenue parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Parlons de ma récompense. Hein? Bah alors, qu'est-ce que? Ah. Je t'en fais cadeau. Bah non. Bah oui. Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Bah attends, tout travail mérite salaire, non? Dans les pas des dieux. Oh yeah! La villa! Oh! 4% guerrier, chasseur. Je préférais ça, ça faisait plus habile. Là, on commence vraiment à. Je sais pas, peut-être moi. Ouh. Ouh, mais c'est joli ça. En plus, il y a des petites pierres précieuses et tout. Oh lolo. Effectivement. Effectivement. Épée de bandit. Massue en bois. Non. Oui. Oui, c'est mieux. Gravure disponible. 3% d'adrénaline. Réussissez le défi suivant. Ah, c'est. Ah oui, oui, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. C'est les gravures que j'ai eues, en gros. D'accord. Qui okay. Hein? L'axe en fond, tu aimes plonger? Tout le monde sur l'île croit qu'il s'agit du plongeon le plus profond, mais on dit qu'un lac de la côte de Colliadet, je sais pas où c'est, n'a pas de fond. Si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre, tu pourras mettre la main sur moi. Colliadet, ok. On est obligé. Ça, c'est la base. Je me vais vers notre ciel. Ah, c'est nice. Donc, on a pris ça, on a pris ça. Bon, bah, on est obligé de prendre ça. Ah oui. X. Ah, monsieur. Attends. Sauvegarde. Allez. Bon, il y a autre chose. Oui, il y a ça. Voir ça. Définitivement. Mais t'es pas censé te. Ça pèse combien ça? Faudrait le vendre. On n'a pas de pompe. Ah, j'ai toujours mes petites sandalettes. J'ai pas de casque non plus. C'est la zermie. Ouh. Quoi? Il est à côté, c'est ça? LB.
a été... D'accord, ok, ça marche. Hop, 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 on se calme. Effectivement, on va s'échapper. Bonjour madame. Cassos, cassos. Il y a une autre quête plus loin. Ouais, bah... Je fais une retraite... stratégique. Oui, bon, on appelle ça fuir. C'est bon. Alors, encore le vignoble de Marcos ? Mais on dort jamais dans le jeu. Oh non ! Qu'est-ce que tu veux encore, toi ? Bonjour. Parler à Marcos ? J'ai pas envie de parler à Marcos. Bonjour. Comment c'était avec Marcos ? Oh, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent, et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui ? Je lui suis un petit peu redevable, mais bon, certaines choses ont un prix, faut pas dépenser... faut pas dépasser ça, hein. Ouais. Je me laisse pas faire, c'est pas vrai. J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli une enfant qu'ils auraient surprise à voler. J'étais toute jeune. Hein ? Je suis toute jeune, moi aussi, et je me débrouille toute seule. Que veux-tu, Phoebe ? Tu connais Kaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Bah, je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Icaros ! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire ! Oh, petite insolente. D'accord. Je vais aller voir ça. Aïe, 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 aïe. Bon, pendant que j'y suis, qu'est-ce que tu veux ? Ah, te voilà ! Et ce n'est pas trop tôt ! Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Alors ? Ton plan ? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Quand tu dis « on », c'est moi en fait. Que toi... Hein ? Ce n'est pas une guerre, c'est un concours de phallus. Pourquoi me laisses-tu sans cesse, Cassandra ? Bam ! Parce que tu le mérites. Voilà tout. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus ? Ses hommes ? Ses terres ? Ses navires ? Sa bite ? Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou ? Tu lui empruntes des drachmes ? Et tu veux lui voler son œil ? Si on le lui prend, on gagne ! Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Combien vaut cet œil ? J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia ? Je n'en ai jamais vu. Mais c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or ! De l'or ! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser ? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher.
Tu te fous de ma gueule? Non mais Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Alright. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Cassandra? Parce que c'est la vérité. Parce qu'un vignoble, ça coûte cher. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Pourquoi t'as toujours des plans à deux balles Colédia. Oula. La Macédoine. Itac, c'est là Itac. Ah bah voilà. Côte de Colidia. Et à mon avis ça doit être là, c'est ça. Hein. Si on regarde un petit peu. Normalement. Et si, c'est là-dedans. On dit qu'un lac du côté de la côte. Voilà. Un lac du côté de la côte. Ça c'est la côte. Ça c'est le lac. Voilà, on peut le marquer? Yeah, baby! Bon, allez, on va aller se faire ça vite fait. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcus, il doit être caché. Wow! Allez, on y va. Oui, bon, bah, on verra pour. Hein. Oula. Wow, c'est quoi c'est... Ah, oh. Donc c'est là. Allez, on y va. Est-ce que je vais pouvoir... Monte, je vais voir si je peux pas sauter pour gagner quelques mètres supplémentaires, genre là, parce qu'ils disent de sauter de la côte, donc on va sauter de la côte. Yes. Oui. Mais je suis en train de prendre mon bain, veuillez patienter. Filakitei ou hein? Voilà. Oh, nice. La nana de marbre. Je l'ai pas vu. Que dalle! J'étais obligé de remonter. La nana de marbre. C'est bon. On se calme. Je l'ai pas eu.
La dame de marbre. Ok, on va recommencer. Parce qu'on avait gagné quelques mètres de plongeon et de profondeur. Allez, vas-y, monte. Wow. Et hop! C'est reparti. Poète. Veux-tu t'en aller? Allez. Dame de fer, on y croit. Putain, j'y vois que dalle! La dame. Oh putain, je vois que dalle. Où est cette dame de fer? Ici. Je remonte. C'est pas moi. Putain, mais c'est pas possible. T'as un pylône qui est là. Il fait que ça ou quoi? Il fait son petit jogging du matin ou quoi lui? Tu veux un coup de pompe? Et ça. Bon, écoute. Oui, je t'ai dit. Je présume que c'est au fond. Bah. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, déjà, on y voit un peu mieux, déjà. C'est pas... C'est pas fifou, mais on y voit un petit peu mieux, quand même. Il y a que dalle. La dame, elle est où, cette dame de marbre? Ah, elle est là. Yes. Tu aimes plonger? Tout le monde sur l'île. Yes. Yes. Mais... J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Le plaisir de... Ça même, oui. Mais j'ai surtout trouvé à des chaussures. Hein? Si on peut appeler ça des chaussures, effectivement. Effectivement. Oh, un bâton canne de pâtre. Alright, man. Bon, on va parler aux villageois. Oulala. Mais qui veut le monsieur là? Veuillez hein? Veuillez me laisser en paix. Allez. Non. Allez.
Je vais enlever le marquage parce qu'à chaque fois, je vais me planter. Hein ? Voilà. Avance. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans ce village ? Il y avait personne à un moment donné. Par là. Vous êtes des meurtriers ! Des meurtriers ! Coup de fou. Bah alors ! Faire attention à la marche ! Bonjour ! How can I help ? Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici ! Il veut nous garder ici ! Jésus a parlé. Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins. Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer. Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède. Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Pourquoi avoir tout brûlé ? Parce que, bah, le feu... Bah. Tu as incendié le village entier ? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. C'est clair, faut brûler les Chaosos. Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, et pitié ! On est à peine malades ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Laissez partir les gens! Ouais, enfin. La dame, elle a dit on est à peine malade. Et je suis désolé, mais tout. Toute l'île dépend, on va dire, de ça, et un petit sacrifice contre des milliers de vies, on va dire ça comme ça, ou des centaines. I'm sorry. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir. RIP ! Mais combien d'autres mourront si je vous libère ? Tu auras notre sang sur les mains. Tu agis au nom des dieux. Tu as leur bénédiction. Oh. Rip, 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 rip. Ça va, il va être ressuscité dans quelques jours. Tu ne les as pas sauvés ? Mais Ekina, c'est mon ami. Ah. Je sais que tu es triste pour Kina. Je te comprends. Mais regarde autour de toi. Tu veux que toute l'île finisse comme ça ? Non. Mais peut-être que Kina va guérir, peut-être qu'il se trompe pour elle. Et peut-être que ce mal va s'étendre demain à toute sa famille. On ne peut pas savoir. Tu as peut-être raison. Il arrive que des innocents meurent, Phoebe. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas. Oui, bah moi aussi... je récupère quand même de la toune, hein. Faut pas exagérer. Autant être un connard jusqu'au bout, hein. Aïe, 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 aïe. Quête d'Odyssée. A une autre édit de génie pour payer ses dettes. Ah, super. Super.
Oh, ça pourrait être sympa, ça. Je pense qu'on fera ça, et après ça, et après un affrontement avec Talos, hein, malheureusement. Je me suis dit, putain, il est sorti de la Terre, lui, ou quoi? Wow. On dirait que les dieux sont pas contents, hein. Il y a du brouillard et tout, là. Aurais-je fait... de la merde, pour changer? Wow. C'était les dieux. Oh. Bah écoutez, je suis désolé d'avoir dû sacrifier ces gens. Oh, c'est magnifique. En plus, je vous laisse avec un magnifique lever de soleil. Mouah. Quelle direction artistique. Magnifique. Voilà. Ça m'a fait flipper l'oiseau. Ah, crise cardiaque. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va arrêter. Dites-moi dans les commentaires si... qu'est-ce que vous auriez fait, tiens, à ma place. Si vous, avez... si vous auriez libéré et ces gens, ou si vous avez... si vous auriez eu la même idée. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je suis un connard, j'y ne suis pas. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter celle-ci, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper de nos aventures. En attendant, je dis à la prochaine, je vous fais des petits bisous, ciao ciao.